Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur Fear, où nous étions restés la dernière fois sur Alma, qui nous fixait derrière un écran pendant qu'on était au téléphone à écouter une messagerie. Et nous étions restés sur ce passage ici, où quelqu'un est en train de faire un garde-manger d'humain, que ça me rassure pas des masses. Et j'étais mort comme un con. Ah oui, quand j'ai recommencé tout, j'ai récupéré une seringue qui m'a ramené encore, qui m'a rajouté 5 PV en plus. Voilà. Que j'avais oublié un moment sur une table, que j'avais pas fait gaffe. Oh, tiens, ça c'est intéressant. Émission des données. Yes, vas-y, dis-moi. Dis-moi tout. Bien, cela confirme que l'objectif de Perseus était bien d'entraîner des commandants télépathes à contrôler des soldats clonés. Pourtant, il semble que Paxton Fettel a été le seul commandant du programme. Étrange, c'est qu'il parle de lui comme étant le second prototype. Le second ? Oh putain, je crois, je me rappelle de c'est qui le premier. Je vous spoil pas. Merde, je crois que je commence à être dégueulasse. Je vous spoil pas. Mais je crois que je commence à me remettre les histoires en tête là. C'est mieux. Ah, vous verrez, faut pas que je vous spoil. Parce que je crois que si c'est ça. au cas où, je dis rien. Parce que. Pourquoi on ralentit le temps? Pourquoi on peut ralentir le temps? Ah ah ah! Je crois que c'est un délire dans le genre. Pourquoi nous aussi on a des sortes de pouvoirs? Je crois que c'est un peu genre ce délire là. Parce que si c'est second, je crois que Fettel. Bah. C'est-à-dire qu'il a un frère. Mais qui c'est ce frère? Ou une sœur? Peut-être qu'Alma c'est. Ou peut-être. Non, peut-être qu'Alma c'est sûrement la première. Et c'est le premier commandant, l'Alma. Et Oh, je sais plus. Parce que pour moi, je suis dans l'histoire, je crois que dans l'histoire, je suis aussi un sort de commandant ou un truc dans le genre. Vu que j'ai des pouvoirs. Et c'est pour ça qu'on m'a intégré au FIR ou un truc dans le genre, je crois qu'il y a... Ouh, bonjour à vous. Tiens. Hop. Comment on appelle ça, là Vous savez, quand ils mettent une sorte de... Voilà ce que je... En fait, ça me fait penser... Ah, c'est bien. Je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, quand ton... Pour faire perdre la mémoire à quelqu'un ou quoi que ce soit, on lui fout un truc dans l'œil là, vous savez, on fout un bouton dans ici là et. Ou une aiguille, je sais plus. Ah merde, comment on appelle ça? On le voit d'ailleurs dans le film Sucker Punch, excellent film d'ailleurs, de 2011, je crois, 2012, je sais plus. T'as comment on appelle ça? Ah merde, c'est un truc médical en plus, hein, c'est. En fait, je crois que j'ai sous le bout de la langue, mais je suis pas sûr. Si je l'ai sur le bout de la langue, j'arrive pas à le sortir. Ça m'énerve d'avoir quand ça fait ça. Bon, vous me faites chier, hein. Bien, allez. Ça va? Ah, je sais bien qu'on est en guerre, mais quand même, hein. Encore des ascenseurs, ça me rassure pas ça. Un jour, Alma va me déglinguer dans un ascenseur, c'est sûr. Parce que je crois qu'elle te one shot, hein, Alma. Elle te chope, elle te one shot. Hein. Les secours ont arrêté de chercher Jankowski. J'espère qu'il s'est juste cogné la tête très fort et qu'il a l'air près du bord frappé d'amnésie. Ouais. Oh putain, t'arrives à détecter ma torche. Mais cette IA, je te jure, cette IA, elle est juste géniale, quoi. Même aujourd'hui, je vous le dis, là, genre, vraiment, trouver une IA qui dit torche. Genre, il y a une torche, il y a de la lumière là-bas, ou à quoi que ce soit. Moi, je vous promets, je vais jouer à des jeux, il y a peu, là, des jeux récents, des jeux très récents. Tu lui fous la lampe torche dans la gueule, il voit pas qu'il y a une lampe torche. Il dit, il va pas se retourner parce qu'il y a une lampe torche. Là, dans ce jeu-là, il va se retourner. Il le dit, même. C'est... Mais putain, mais sans déconner, mais refaites des jeux comme ça, je veux des jeux. Moi, s'il me faut un remake, je veux le même IA, même une IA encore meilleure que celle-ci, qui est déjà super bien. Sans déconner. Sans déconner, quoi. Fais ça. Oh là, mais sérieux, t'es obligé de venir sur moi, là. Tiens, à bouffer. Voilà. Oh, j'ai pas du tout mon armure à cause de l'autre qui s'est mis devant moi, là. Ah, j'ai fait un petit peu à tout péter. Ouh, pleine tête. Ouh, pleine tête. Ah, je t'ai cloué au mur, hein. T'en es resté bouche bée, hein.
Excusez-moi, des fois, faut que je fasse des blagues parce que sinon. Ça, je me retiens depuis quelques épisodes à pas faire de blagues sur ça, mais bon. Ça me tente, hein, ça me tente de fou. Ah, cette arme, le pénétrateur, il pénètre bien. Hein. Ah, je me déteste! Ah, j'ai envie de me mettre des danses, je vous jure. Ouais. Quoi, monsieur Bishop? Certains quelque chose me paraît d'ici. J'en suis sûr. Moi aussi. Vous voyez ce genre d'ambiance? C'est ce que j'aimerais retrouver moi dans des films ou des jeux vidéo. Et pas forcément Ah, j'ai raté une zone, c'est pas grave. C'est pas grave. Situation, l'agent du FIR a libéré un otage, Aldous Bishop, qui affirme avoir été interrogé sur Alan Wade. Alors, Alan Wade, ça me dit quelque chose, je vous promets. Un chargeur d'armes à cam. L'endroit où se trouve Wade reste inconnu. Bishop nous a dit qu'il était collègue de la fille de Wade, Alice. Il semble clair qu'elle intéresse les forces réplica et qu'elle est peut-être déjà prisonnière. L'agent du SFOTD, Douglas Holliday, escorte Bishop sur le toit pour qu'il soit évacué. Officier tactique, technique du FIR poursuit les analyses médico-légales sur le site du massacre de l'équipe du SFODD. Il apparaît clairement que de nombreux employés d'Armacam ont été exécutés. Mission, l'agent du FIR a rendez-vous avec Holliday à l'héliport. C'est plus l'extermination de Fettel, hein. Ça a changé, ça. Ok. Donc, ah oui, c'est bien Alice Wade. La fille d'Alan Wade. Ça me semble logique, hein, mais... Bonjour! Je vais pas sur mes collègues! Bon, culé! Tiens! Quoi, t'es pas mort avec ta vue dans la gueule? C'est pas. Oh ouais! Petite roulade! Hop! Bon alors! Ah, je. C'est dommage qu'il ait passé à travers le conduit, hein, mais c'était beau, c'était beau! Bon, voir en ralenti ce genre d'acte, je trouve ça magnifique. Non mais vraiment, le pénétrateur, tu joues tout le temps avec, quoi. C'est une arme tellement cheatée, en fait. Y a pas à chier, quoi. Oh! Bah alors, t'as mal à la tête? T'as mal au cou aussi. Oh, bonjour, mesdames, bonjour. Bonjour. Deux secondes, je mets un peu ralenti. On a jamais utilisé cette arme aussi, c'est vrai. Attendez. Et on commence à avoir des munitions. Non, non, c'est pas vrai, y'a pas de torche. Oh, un pénétrateur. Il va... Et regardez, ils vont là-bas. Ils ont vu la torche là-bas, ils vont là-bas. Salut. Non, vous êtes pas marrant, pas dans le cul, y'a quoi qu'à le droit. Tiens. Démembrement. J'aime le démembrement. Alors, hop, non, c'est pas ça. Hop. Hop. Non. Encore. Ça me saoule. Ça me gonfle. Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Putain. Bon. Regarde, tout est bon. Allez, dégage. Elle est où? Elle est où le pénétrateur? Ah, vous me faites chier. Je regarde s'il y a un pénétrateur dans le coin. Allez, casse-toi. J'ai cru voir le pénétrateur, j'ai pris les munitions sans le vouloir, je pense. Oh, quel con. Je voulais pas prendre les munitions. Bon, bah, c'est pas grave. Hop. C'est IA, quoi. Voilà, quoi, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Vraiment, il y a trop de détails qui fait qu'on peut que l'aimer, ce jeu. Hop. Moins cher que gratuit, hein. Non! 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 Non, mon pénétrateur, comment je vais apprendre à pénétrer les gens maintenant? J'aimais ça, moi. J'aimais ça, mettre mon pieu dans leur huc.
merde! Du nouveau concernant la situation au quartier général d'Armacam. Un porte-parole de la compagnie confirme que beaucoup d'employés étaient sur leur lieu de travail. Ah non! On me ferme pas la porte à la gueule! Alors ça, l'ascenseur qui se ferme devant moi, là, bûche! Moi, je mets un gros coup de pied dedans! Attendez-moi! Sortez-nous de la bande de chiens! Revenez, bande de lâches! Décapitation! On a mais à quoi joue ATC? Pour croire qu'il lui faisait pas confiance pour garder un secret? Mon dieu, j'espère que vous avez tort. Je vais voir. Ouais, c'est pourquoi les agents de sécurité m'attaquent, c'est pas des réplicas? Mais qu'est-ce que vous foutez, vous, là? Les agents de la TC, là! Putain, c'est des agents de la sécurité. Putain, j'aurais aimé, moi, quand j'étais agent de sécurité, d'être surarmé comme ça. Hein. Oh, on ferait moins chier l'agent de sécurité. Hein. tu sais, c'est. D'un côté, ça a aussi sans l'autre problème. Hein. Armer un agent de sécurité, c'est pas vraiment une bonne idée quand même. J'ai fait des fonds de formation en tant qu'agent de sécurité. Hein. Je sais ce que c'est. Par là! Ah, mais vous me faites chier, vous spawnez en illimité ou quoi? Déjà que j'ai perdu mon pénétrateur. Mon pénétrateur, merde. C'était toute ma vie. Bon, en vrai, toute ma vie. Ok. C'est ça. T'allais me lancer une petite grogne? T'allais me lancer une petite grogne? Il est en train de jouir là, c'est pas possible. Pas en vidéo. Ok, il veut pas le prendre. Ouh! Y'a un blessé! Oh, le jeté de mort terre! Oh, je recommence pas tout. Ça a mal le faire parce que j'ai pas sauvegardé. Depuis sa création en 1964, Armacam Technology Corporation. Fuck! Fuck! Viens là, toi! Allez, regardez. Génial! Alors, j'ai pris l'autre chemin. Il y avait deux chemins, j'ai pris l'autre chemin. Hein. Que vous soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris si j'ai pris. Si ça ressemble pas à ce qu'il y était avant. Parce que je sens que je vais faire des coupures encore. Dans ce jeu, je m'amuse au montage, hein, je vous le dis. Hein. Entre les crashs et les moments où je dois tout refaire. Ok, je suis monté sur le toit cette fois. Ce jeu est juste magnifique. Salut mec. Au revoir mec. J'adore faire un bonjour au revoir, tu vois. Oh, j'aime le risque. En vrai, pas tellement. Un petit F5, on sait jamais. Hein. Il est là. Vous avez vu, il a eu peur. Il a été surpris que son pote il était mort, il a eu peur. Bon, j'adore, putain. Il a pris peur, le con. Oh, j'adore. Bon, par contre, là, il y a beaucoup d'actions. Oh, le foiré! Elle est où l'échelle? Elle est là. Je chasse pas dans l'eau. Non, je chasse pas dans l'eau. Je vous le dis tout de suite, je chasse pas dans l'eau. Voilà. Ah, je m'attendais pas à ça! Ouais, c'est ça, ouais, ça va péter ça, attends. Ça va péter. Ça va péter. Oh, vous avez vu la lumière et tout. Oh, c'est génial. Ça donne tellement dans l'ambiance. C'était sûr, c'était sûr. Alors, je crois que j'aurais été projeté. Je crois que si j'étais pas reculé, ça m'aurait projeté là-dedans et j'aurais tombé dans l'eau encore une fois. Mais j'étais trop intelligent pour le jeu. Des réflexes améliorés. Ah, tout ça pour ça. Bon, on va tomber dans le jeu parce que c'est normalement j'aurais tombé dans l'eau, je pense. Non? Y'a un passage? Non? Je sais pas du tout.
Ah bah non, je peux monter là maintenant, bah oui. Ouvre la porte. Ok, on est clairement dans une phase horreur. Ok, j'ai compris. Ouais, bon d'accord, ok. En espérant que cet épisode vous aura plu, on fera cette phase horreur la prochaine fois. Vous souhaitez une agréable journée, une bonne soirée, une bonne exanation. Fear et tchuu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 u